rien me dire. Hein. Et le chien? T'en as fait quoi du chien? Le chien? Quel chien? Ah, parce que t'es pas au courant? On a un chien. Et ouais, il est formidable. Il a dû sûrement prévenir la police. C'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, mais il est pas là. Il crève. Tu pars pas comme ça de mon chien, toi, t'as compris? Ah ouais. Ta gueule, toi. Alors, on veut toujours pas me dire où c'est. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, Mathieu, d'accord? Écoute-moi bien, toi, là. Je te connais pas. Mais t'es une ordure. Espèce d'ordure, je te connais pas. Mais t'es une ordure. Connard. Je prends tous les compliments. Ta gueule, détache-toi maintenant, merde, dégage! Putain. Et tu sais quoi, je t'ai pas dit, il y a des caméras de surveillance. Ah ouais? Quelque part. Où ça, putain? Quelque part. Ah ouais, bah tu vas vite me dire où. Et non, je te dirai pas. Je suis désolé. Ah, ouaf! Eiko! Mais il est complètement taré ce chien! Spam! Eiko, non! Tu vois ce que ça fait de Pauline, hein? Oh, Eiko, non! Eiko, meurs pas, s'il te plaît! Eiko! C'est bon, j'ai juste endormi, t'inquiète pas! Il y a intérêt qu'il se réveille, parce que je te promets que sinon, c'est toi qui es mort. Ah ouais, tu vas me tuer. Ouais, je vais te tuer. Ta gueule. Ah, ah. Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Ah. Allô? Oui, Max. Mais ça va et toi? Est-ce que tu peux passer? Ouais, bien sûr. Comme ça. Maintenant? Avec plaisir, je prépare le café, je prépare tout. Ah ouais? Mais ça se tombe bien, moi aussi. J'ai très envie de te voir. Ah ouais. Ok, je t'attends. À tout à l'heure. Ça marche. Moi aussi. Je t'attends, Max. Ouh, tu m'as épuisé. Oh, toi aussi. C'est... Je commence vraiment à tomber amoureuse de toi, Nicolas. Moi aussi, mais... Écoute, Cindy. Je suis en couple. Ça fait un an. D'accord? Et ma femme, je l'aime. D'accord? Ben oui, mais... Moi aussi, tu m'aimes? Oui, toi aussi, je t'aime. Mais dis-moi, si tu quittais ta femme pour venir habiter avec moi, hein? Attends, t'es pas sérieuse quand tu me dis ça, là? Non, mais j'espère que t'es pas sérieuse, là. Non, mais vraiment, c'est une trait. Non, mais attends, mais Cindy, je vais pas quitter ma femme comme ça. Je l'aime, Marie, moi. Et moi, tu m'aimes pas? Je suffis pas, c'est ça, je suis trop moche. Je savais. Non, t'es très belle. Alors, pourquoi t'es avec moi? Pourquoi tu couches avec moi? Pour plaisir, c'est ça? On avait dit que c'était déjà pour plaisir. Et je crois que je suis en train de m'attacher à toi. Ah ouais? T'es en train de t'attacher à moi? Ben ouais. Eh ben, ça te vient, tu vois. Parce que moi aussi. Vaut mieux qu'on arrête là. Vraiment. T'as vraiment envie d'arrêter. Je suis pas très belle. Alors, vraiment arrêter. Ok, ok, on continue à se voir en cachette. Pourquoi en cachette? Et pourquoi tu n'hésites pas à faire que tu la trompes? Ah, pourquoi? Tu veux vraiment que je dise ça à ma femme? Bah oui. Écoute, je veux vraiment tu dis ça à ta femme. Mais t'es complètement folle, enfin, ça va pas ou quoi? Elle a peut-être qu'elle va accepter. Ah.
D'accord. Ok. Bon. D'accord, ok. Bon. T'es complètement folle. Je sais. C'est pas grave. Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Cindy, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Ah ouais, pourquoi? C'est parce que t'es en couple, c'est ça? Mais non, pas du tout. Mais si, c'est parce que t'es en couple, on peut pas continuer, c'est ça? Pas du tout. Écoute, je suis en train de tromper ma femme avec toi, là. D'accord? Tu peux pas me demander de quitter ma femme. Bah ok, alors quitte pas ta femme. Je préfère ça. Voilà, merci. Mais tu veux vraiment pas pardonner à Peter? Mais non, c'est mort après ce qu'il a fait, non, après ce que j'ai vu, c'est mort. Ok, d'accord. Il me dégoûte, je ne veux plus jamais le revoir. Je préfère encore me remettre en couple avec Nicolas. Mais il est en couple avec Marine, donc je peux pas. Ah, d'accord, ok. Va dire ça à Marie. Non, mais elle le sait très bien. Nicolas est très séduisant, il a toujours été très séduisant et c'est un très bel homme. Et c'est un très bel homme. Ah oui? Tu penses vraiment ça de Nicolas, toi? Mais écoute, c'est comme un frère pour moi, c'est mon meilleur ami. Donc oui, je pense ça de lui. Et je le pense bien d'ailleurs. D'accord. Ah putain, si j'avais su que je tomberais sur Peter en venant, je ne serais jamais venu. Mais il est parti. Ouais, il est parti. Bah franchement, je vais te dire un truc. Heureusement qu'il est parti, tu vois. Parce que sinon, je l'aurais tué. Mais écoute, tu peux pas faire ça, enfin, Hélène. Mais quoi, il n'y a pas de Hélène, enfin. Peter est un connard, c'est tout. C'est pas un connard, on a tous fait des bêtises. On a tous fait des bêtises, mais on n'a pas tous fait se coucher avec sa sœur, d'accord? Écoute, il a peut-être pas vraiment couché avec elle, c'est peut-être un montage, je sais pas. Un montage. Mais j'espère que tu te fous de ma gueule, la Bénédicte, tu te fous de ma personne. Tu te fous de ma foi ou quoi? Bah écoute, non, je le pense. Tu le penses? Bah écoute, oui. C'est peut-être un montage, je sais pas. Mais ça peut pas être un montage, putain. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, mais ça peut pas. En tout cas, elle me dégoûte. C'est pas obligé de l'insulter comme tu l'as fait quand même. Ouais, grave déjà. Ça se fait pas d'insulter les autres. Ah ouais, ça se fait pas de coucher avec sa soeur, d'accord? Ok. Bon. Je vois que t'as pas l'air d'être convaincu de te remettre avec lui. C'est mort. Jamais de la vie, je me remettrai avec ce type. C'est mort. Jamais de la vie, d'accord? Jamais de la vie, je me remettrai avec lui, d'accord? C'est mort. Ok. Bref, si on peut parler d'autre chose là. Vous alors? Eh ben moi, j'ai peut-être une idée. Quoi? Ça te dit qu'on parte en vacances tous les deux, mon José. Écoute, ouais. Mais je voulais te le proposer aussi. Ah ouais. Bénédicte, écoute. On part en vacances cet été. Tu veux partir en vacances? Mais où ça? Mais je sais pas. Où tu veux? Ah ouais? Très bien. Aux États-Unis. J'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis. Bah très bien, partons aux États-Unis. Alors vous partez en vacances cet été? Bah ouais, pourquoi pas. Et toi, Olivia? Bah non, je vais pas partir en vacances toute seule, c'est ridicule. Bah remarque, t'as toujours Adrien. Non, je crois pas, non. Ou alors remarque, t'as son frère Thomas. Pourquoi pas? Eh oui. Ah là là. Salut tout le monde! Adrien, ben ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, moi aussi. Bonjour Olivia. Bonjour Adrien. Ça va? Mais ça va et vous les filles? Et le gars, salut José. Salut Adrien. T'en fais pas pour moi. Ça va?
Ça va. Ça fait plaisir de vous voir. Ben ouais, moi aussi, ça me fait très plaisir, ben moi aussi. Alors, t'as vu ton frère, comment il va? Figure-toi, Livia, qu'il est en train de tomber amoureux de toi. De moi? Eh oui. Attends, on parle bien de ton frère, là. Oui. Ben, s'il est pareil que toi, comment ça pareil que moi, c'est-à-dire? M'assois, hein. Ben, c'est chez toi, donc oui, vas-y. S'il est pareil que toi, qui me trompe à droite à gauche, je crois pas, non. J'étais sûr que j'allais me prendre ça dans la figure, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, venant toi, lui dire ça m'étonne pas. C'est à toi qui as sauté, hein, le premier, d'accord? Donc, ne saute pas, s'il te plaît. Eh, tu vas vite te calmer avec moi, je t'oublie. Oh, c'est bon, vous n'allez pas vous disputer. Pourquoi vous deviendriez pas amis? Hein? Amis avec une ordure? Je croirais entendre Peter. Quoi, Peter? Qu'est-ce qu'il a, Peter? Peter est une ordure, voilà ce qu'il a, Peter. Ah, lui aussi, eh ben. Ça s'occupe des ordures ou. Dur ou quoi, c'est pas possible. Tut! Ah, excusez-moi. Allô? Oui, Hélène Girard, oui, c'est bien moi. Quoi? Ah, d'accord. Ok. Ah, bah, écoutez, merci de m'avoir prévenu, c'est gentil. Ok. Ok, merci. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est Peter. T'as une... Ah, oh non. Il a eu un accident, c'est ça? Comment tu sais? Eh ben écoute, il a mis toi et moi à prévenir en cas de danger. Ah, merde. C'est Peter, il a un grave accident de voiture, il a bu. Au volant. Oui, Sam. Oui, Ayem est parti, oui. Oui, tu peux revenir. Non, il n'y a pas de chance qu'elle revienne, t'inquiète pas. Mais attends, quoi, je te manque déjà? Attends, je te manque tant que ça. Ok, bon, bah écoute, c'est vrai. Moi aussi. Moi aussi. Ouais. Donc. Ok. Et. Très bien, bon, bah tout à l'heure. Bah tu sais quoi? Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Bisous. Oui. Oui. Pourquoi? Ah, t'es comme ça, toi. D'accord. Non, non, non. Comme C'est ça. trop, c'est trop, c'est... Ouais. Ok. Tout à l'heure. Bisous. Oui, moi aussi. Bon, eh ben, il est amoureux, le petit Sam. Je vais en faire mon affaire. Salut. Oh, Elodie. Salut, Alex. Ça va? Ça va, Elodie? Ouais. Mon amour, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, Alex. Et faut que je te dise un truc. Quoi? C'est à propos de Miguel, Alex. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Miguel? Eh ben, il se passe que je l'ai croisée dans la rue et qu'elle est devenue complètement folle. Hein? C'est une grille. Ouais, c'est une grille, comme tu dis. Mais en vrai, elle est complètement tarée. Ah ouais, pourquoi? J'ai croisé avec un mec dans la rue. C'était qui le mec? Un flic, un beau gosse. Tu pourrais me décrire? Bien sûr. Je crois qu'il s'appelait. Attends. Je crois qu'il s'appelait Sébastien. Sébastien. Ouais. Je crois qu'il s'appelait Sébastien.
Et elle lui a dit, Sébastien, je t'aime. Ah, tiens, mec, ben, elle a fait fort. C'est clair, mais c'est pas tout. Elle m'a vu, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, si tu fais quoi que ce soit, t'es morte. Je l'ai juste vu. Et t'as fait quoi? Ben, je l'ai calmée. Je lui ai dit, mais je t'emmerde, d'accord, j'ai rien à faire, j'ai rien dit. Tu fais ce que tu veux de ta vie de pute. Mais tu, moi, tu me laisses tranquille. Ouais, t'as bien fait. Pas se laisser marcher sur les pédales parce qu'une pute pareille. Ouais, non, c'est sûr. L'autre qui se tape 4 mecs en même temps, qui est enceinte, c'est, je sais pas, mais bon. Ouais, c'est clair. En fait, t'as des nouvelles d'Hélène? Hélène, non, pourquoi? Non, je sais pas, parce que. Parce que quoi? Je sais pas, non, t'as pas de nouvelles d'Hélène? Non, pourquoi? Je sais pas, bah, parce que, en fait, ben. Je l'ai pas revue depuis, je suis arrivé, quand je suis arrivé, je l'ai vue. Ouais, je l'ai pas revue depuis, j'ai pas de nouvelles. Ah, bah non, j'ai pas de nouvelles, désolé. Mais t'es pas amie avec elle, toi? Si, mais je la vois pas souvent, tu sais, moins qu'avant. Ouais, c'est sûr. Nicolas? José? Mais qu'est-ce que tu fais là? Nicolas, t'es au courant pour Peter? Quoi, Peter? Qu'est-ce qu'il y a, Peter? C'est Peter! Ben quoi, qu'est-ce qu'il a, Peter? T'es au courant qu'il est séparé d'Hélène? Ouais. Ben, il a eu un accident de voiture. Quoi? Il a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Eh bien, on vient prévenir Hélène. Putain. Mais non. S'il a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Il a vu de l'alcool au volant, il a foncé dans le fossé. Enfin, c'est. Putain. Ouais, putain, comme tu dis. Mais attends, mais c'est pas possible. Mais s'il a fait de l'alcool au volant, quoi? Ah. J'arrive. Bonjour, Max. Salut, Aliam. Ça va, beau gosse? Ça va. Et toi? Moi, ça va super. Alors, t'es contente de me voir? Ouais, super contente. Fais trop te voir, mais je sais pas t'appeler. Mais pourquoi? Faut oser, enfin. Faut oser t'appeler. Faut oser m'appeler, faut oser me dire, viens, on veut se voir. C'est tout le temps moi qui t'invite. Oui, je sais, parce que moi, je suis une fille, je suis timide. Tu comprends? Je comprends, t'inquiète pas. Je savais que t'étais un mec génial. C'est que maintenant que tu t'en aperçois. Non. Je savais déjà avant. Et voilà, alors. Eh ben, t'es un mec génial. Eh ben, je sais. Alors, c'est chez toi? Ouais, c'est chez moi. Je suis jamais venu, tu me fais visiter? Avec plaisir. Donc là, t'as le salon, la cuisine, tout. Là-bas, t'as la salle à manger et tout. Ouais, la table. À l'étage, t'as la salle de bain, les toilettes et ma chambre. Ah, ça a l'air d'être bien, dis donc. C'est bien, je te rassure. Ben, j'espère bien. Ouais, oui. Tu sais, ça me fait très plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, Max. Mais attends, mais il y a sûrement une explication quelque part, je sais pas. Et peut-être qu'il est rentré hier ou avant-hier, j'en sais rien. Mais non, son téléphone a été localisé chez lui ce matin. Oui, bah justement, c'est ce que je te dis. Peut-être qu'il est rentré hier ou avant-hier. Ouais, bah qu'il soit rentré hier ou avant-hier, ça change rien, d'accord? Il est jamais parti, il nous a menti, tu te rends compte ou pas? Papa, il nous a menti. T'as pas menti, arrête. Salut tout le monde! Ah, Félix, t'es rentré? Ouais. Mais oui, c'est sûr, t'es rentré. T'es pas parti. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça? Je suis passé une semaine. Ah oui? Ah, et t'es rentré quand?
Pourquoi tu me demandes ça? Non, je sais pas comme ça. Ben, je suis rentrée cette nuit, pourquoi? Tu vois, je te l'avais dit. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Vous m'expliquez? Ta sœur a fait localiser ton téléphone pour savoir si t'étais bien parti. Elle a cru que tu nous avais menti. Moi, vous mentir. Pardon. C'est une blague là. Je vous ai pas menti, je suis rentrée dans la nuit. Mon avion a décollé hier soir. Je suis rentrée cette nuit, je suis arrivée à 2 h du matin, c'est tout. Pourquoi tu m'as pas appelé pour que je vienne te chercher à l'aéroport? À 2 h du matin, là, tu dormais. C'est vrai. Alors? Tu vois, je t'ai pas menti. Tu vois, il nous a pas menti. Bon, bah, excuse-moi. Bon, ça va? C'était bien ta semaine chez maman? Ça va, c'était bien, ouais. Peter, à l'hôpital, mais c'est pas possible. Eh ben, écoute, signe apparemment. C'est de ma faute. Ne dis pas ça, c'est pas de ta faute. Tu y es pour rien. Ah ouais, je suis pour rien. Alors comment tu expliques le fait que... Hein? Mais non, écoute, tu y es pour rien. Il a eu un accident, il avait trop bu, il avait une bouteille d'alcool, c'est tout. Ouais. Ça n'empêche pas d'être un gros fils de pute. Quoi, tu veux pas sa mort quand même? Non. C'est pas possible, il est dans un état critique, quoi, le mec. Ouais, là, c'est sûr qu'il n'est pas très bien là. Putain, à cause de moi. Mais arrête, c'est pas du tout à cause de toi, écoute. Hein, tu crois? Mais oui. Ah bah voilà, la voilà cette salope. Salope. Bonjour. Salope, t'as quitté mon frère. Oui. T'es contente de toi? Il est à l'hôpital à cause de toi, sale pute. On peut parler? Je parle pas aux putes, moi, ok? Alors déjà, déjà tu viens chez moi, tu m'insultes, tu vas vite dégager, d'accord? T'en voulais qu'à son fric, c'est ça? Tu voulais quoi? Tu voulais juste son fric et tout son héritage? Tu voulais sa mort? C'est ton frère, je sais que tu l'aimes. Moi aussi je l'aime. Tu l'aimes pas, t'en voulais qu'à son fric. C'est pour ça que tu l'as quitté, salope. Quand la dernière fois, quand je t'ai dit qu'il avait perdu tout son fric, après que j'ai reçu la notice comme quoi elle l'avait récupéré. Hein? Alors déjà, tu vas te calmer, d'accord? Non, j'en voulais pas qu'à son fric. Il a fait des choses horribles. Ah ouais, vraiment. Bah oui, il a fait des choses horribles. Ok, d'accord. Et quel genre de choses horribles? Hein? Je peux savoir? Mais bien sûr, il a couché avec des filles. Trop, toutes les filles en même temps qu'il y avait autour de lui. D'accord. Ah ouais. Eh oui. D'accord. N'empêche que ça t'empêche pas d'être une grosse salope. Salope! Et alors, je t'emmerde. Toi, d'accord. Je vais passer au bureau. Prendre toutes mes affaires et tout. Ah oui? Bah non. Mais son père, il me déteste. Son père, je connais à peine son père. Je sais juste qu'il est super sympa. C'est tout. Ouais, bah justement. T'es juste une salope. Salope pourri gâtée, ma vieille. Connasse. Tu me dégoûtes. Là seulement, on est là, donc calme-toi. Baston, ça va pas, toi. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde et au revoir. Toi, écoute-moi bien. Si tu te remets pas avec mon frère, je te jure que je te fous en tôle. Ah ouais, bah essaye. Salut. Salope! Et pas comme celle-là, là. C'est la sœur d'Adrien. Écoute, je la comprends, hein, j'ai quitté Peter, elle est dans le coma, c'est son frère, je la comprends. Bon, alors, comment elle va, maman? Raconte, elle va bien? Ça va, elle a un mec, quoi? Elle a un super mec, très gentil d'ailleurs. C'est ton beau-père, Aya. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, enchanté de la prendre. Il est super sympa, je l'ai rencontré, on a parlé. Il a quel âge?
Il est un tout petit peu plus vieux que maman. Il est super beau. Et en plus, il est génial. Ah ouais, d'accord. Il a 2 ans et demi de plus que maman. Ah ouais, bah c'est cool. C'est cool ça. Eh oui, c'est très cool. Et tu vois, gars, je suis rentré cette nuit. T'as localisé mon téléphone ce matin. Donc il était chez moi, je dormais. Je me suis couché à 4 heures. Tu t'es couché à 4 heures. Oh, et oui, jusqu'à 11 h ce matin. Ah bah je comprends mieux. Bah je suis désolé Félix, je croyais que t'étais pas parti, je croyais que tu nous avais menti. C'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas de ta faute, tu tiens trop à moi. Voilà, ça doit être ça. C'est vrai quoi, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Mais toi aussi, papa. Mouah. Mais oui, on t'aime, papa. Moi. Ben, c'est gentil tout ça, merci. Eh ben, c'est grand chez toi, dis donc. Eh oui, et là, c'est la chambre. C'est pour déjà dormir la nuit et pour faire des petits câlins, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. Eh ben, ouais, t'es bien là. Ça fait longtemps que t'es là. Ouais, depuis que je me suis séparé de mon ex, ça fait quelques mois, 5, 6 mois. D'accord? Eh oui. En tout cas, je suis très contente que tu sois venue. Et moi aussi, je suis très content d'être là. Surtout que je te vois, j'en profite pour te voir, donc je suis encore plus très content. Oh, flatteur. Non, mais non, non, c'est sincère. Je sais. Mais écoute, c'est gentil, merci. Et bah écoute, c'est normal, t'inquiète pas. Ouais, normal. Tu sais, hier, je voulais te dire que tu me plais. T'es une super fille. Et en tout cas, je retiens tout ce que je veux. Et toi, c'est sûr que je t'aurai. Bon, on redescend, bien sûr. Je t'ai fait couler du café avec un apéro. Et de l'alcool, bien sûr. Alors, viens vite. J'arrive. D'ailleurs, je te suis. Allez, viens là, toi. C'est tout dans le frigo. Ayem, tu sais, je voulais te dire, tu me fais superbe. Je sais, merci, c'est gentil. En fait, t'as une belle de ses manquants, on y va. C'est quoi cette histoire? Bah oui, il s'est fait voler son téléphone il y a quelques semaines et il a mis 3 semaines avant d'en avoir un autre. Et... Ah d'accord, c'est pour ça que... Ouais, oui, c'est pour ça que, comme tu dis... C'est pour ça que il répond pas quoi. Eh oui, c'est pour ça. D'accord. Mais écoute, heureusement que tu m'as prévenu. Il m'a même pas envoyé de message, cet enfoiré. Enfoiré. Mais écoute, il m'a pas envoyé de message, donc ouais, enfoiré. Non, je rigole. J'aime mon frère, tu vois. Mais oui, c'est normal, c'est ton frère. Voyons. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être ici. C'est vrai. Bah ouais. Bah merci, c'est gentil. Oh, bonjour mon amour. Enfin, rebonjour. Sam. Comment vas-tu mon Sam? Très bien, et toi ma chérie? Ça va, je te remercie. Tu sais, Ayem est passée tout à l'heure. Je sais, je l'ai aperçue quand je suis sortie. Elle t'a pas vu, j'espère. Non, de toute façon, je lui ai dit la vérité. Et elle peut rien faire contre nous. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que je t'aime. Et que, quoi qu'il dise, l'amour n'a pas d'âge. Et... Je vais rester avec toi. Ben voilà, c'est ça que je veux. Parfait. C'est génial. Tout va bien alors. Tout va bien. Ingrid n'est pas là, dis donc, c'est rare. Et très rare. D'habitude, elle passe tous les jours.
Enfin, elle est passée ce matin, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Moi, j'étais pour moi toute seule. Eh ben, ça te plaît, ça, hein? Eh ouais, ça te plaît, hein? Ah ouais. Ça aussi, ça te plaît, hein? Ouh, je t'aime, Alex, tu sais. Je sais. Moi aussi. Et toi et moi, j'espère que c'est du sérieux. C'est du sérieux, Alex. T'inquiète pas. Mais j'espère bien. Et je m'inquiète pas, tu sais. Je veux juste avoir la sensation du bonheur. Le sentiment du bonheur. Tout du bonheur. Ah ouais. Bah oui. D'accord. Eh ben, tu l'as. Parce que je viens avec moi, tu viens. C'est vrai que je viens avec toi. Mais bon. Écoute. Tu sais. Bah. Même si on est différents, on a tous le droit d'aimer. C'est vrai, le droit d'aimer un jour, le droit d'aimer toujours, c'est vrai. Je t'aime, Alex. Moi aussi, je t'aime, Elodie. Bon, tu viens, on va descendre. Ouais. Je suis sneaky dans la nuit. Oh non, j'ai pas envie. Moi aussi, j'ai pas envie. Alors, descends. Eh ben voilà. Pas une guide à l'horizon. J'espère qu'elle va pas venir, sinon elle va me tuer. Faut que je parte, moi. Non, tu restes là, toi, d'accord? Comme tu veux. Voilà, merci, c'est bien. Alors, j'en pense quoi? C'est bien chez moi. Très, très bien. Et tu sais quoi? Eh ben, je sens qu'il y a quelque chose de positif autour de toi. Tu crois qu'il y a quelque chose de positif autour de moi? Oui. Et tu penses que c'est quoi? Je sais pas, mais il y a quelque chose de positif. Oui, il y a un truc positif autour de moi. Ah ouais? C'est toi. Moi? Non, mais non, 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 je... Tais-toi. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi. Non. T'es sûr? Non, d'accord, si tu tiens. Voilà. D'accord. Alors, ça fait du bien. Très bien. Mais bon. Je t'aime, tu sais. Tu m'aimes? Ouais, je t'aime bien. T'es un mec super. Mais toi, t'es une meuf superbe. Je sais. Mais Peter à l'hôpital, mais enfin, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, je comprends pas. Eh ben, Hélène est arrivée, elle a vu Peter et elle l'a insulté de tous les noms. Ah, c'est vrai que c'était pas la meilleure des choses à faire. Non, mais je lui ai dit, calme-toi. Et là, Peter, il est parti comme une furie. Ben, voilà, quoi. Ok, bon, d'accord. Ok, si je comprends bien, tu es en train de me dire que si Peter a eu un accident, c'est à cause d'Hélène. C'est ça? J'ai pas envie de remettre la faute sur Hélène, mais en gros, ouais. C'est vrai qu'elle a pas été cool, Hélène. Elle aurait pu l'expliquer, sauf que la vidéo, elle l'a vu coucher avec sa sœur, sa propre sœur. Tu l'as la vidéo? Non. Bénédicte, elle doit la voir, je pense. Mais écoute, tu lui as pas dit à Hélène que c'était peut-être un montage. Mais bien sûr, on lui a dit, elle a dit non, c'est pas un montage. Ça se verrait sinon. Je la baise à pleine bouche, enfin c'est. Ah ouais, Hélène. 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 Oui, Hélène. D'accord. Mais putain. Ouais, putain, ouais, comme tu dis, tiens. Bah écoute. Pas grave, pas grave. Tu sais, je crois qu'elle est vraiment pas bien, Hélène, vu que. Ouais, ça se comprend, mais bon. C'est pas une raison. Non, c'est clair, c'est pas une raison.
Ah putain, je suis choqué. Ouais, Elena n'est pas bien quoi. Non, c'est sûr, bah tu m'étonnes qu'elle est pas bien. La pauvre. C'est clair, ouais, comme tu dis, la pauvre. Écoute, si t'as fait du mal à mon chien, je te tue! Ça va, il est juste endormi, ton chien de merde là. Tu insultes pas. Dis-moi où est la drogue et je vous libère. Écoute, j'ai tout vendu. Et tu sais quoi? Non, j'ai même pas vendu. J'ai tout donné au flic. Un de mes amis flic. Comment ça t'as donné au flic? Eh oui. Mais ça va. Je t'ai pas balance. J'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit que je savais pas qui c'est. Ah ouais. Bah, merci, c'est gentil. T'as dit que c'était pas moi, bah merci. Je t'en suis très reconnaissant par contre. C'est normal. C'est pas toi. Non. Bah si, c'est moi. Très bien. Là, je m'en fous. Tu sais pourquoi je m'en fous? Parce que je vais retrouver ma drogue. S'il faut que je cambriole un commissariat pour retrouver cette putain de drogue. Je te jure que je le ferai. Et mon fric! Ouais, mon putain de fric! Ton fric, c'est quoi? Tu portes quel fric? Le fric, tu parles de mon fric. Mon fric que j'ai eu proprement. Alors tu vois. C'est l'argent sale que tu as. Et tout mon argent fait, il est propre. Et s'il vient entre tes mains, ça va être sale. Oh écoute Mathieu, arrête de parler avec cette torture de merde là. Je connais pas là, ça mon fils. Putain, ça devait en avoir rien. Ouais, écoute, faut aller se calmer, le laisser entre filles. Puis en plus, il y a Adrien, c'est un peu la calmer, lui. Adrien, comment il va, lui? Ça va, il est venu annoncer à Livia que son frère était amoureux d'elle. Ah, d'accord. Son galant chez lui, Adrien, tu vois. C'est clair. Son galant chez des Lorenz. Ouais, c'est clair. D'accord. Bon. Eh ben. Écoute, c'est trop bizarre quand même pour Peter. Ouais. Enfin, c'est pas bizarre, mais je suis inquiet pour lui. Mais moi aussi, c'est mon ami. C'est le mien aussi. C'est vrai. Alors, bon, et sinon, ça va, toi, avec Marie? Ça va. Et avec Cindy? Ça va. Et Jimmy, comment il va? Bah, Jimmy, je l'ai vu ce matin, il va très très bien. Il a failli faire une gaffe, il a failli tout révéler à ma je couchais avec Cindy, mais bon. Oh l'enfoiré. Ouais, le con, tu veux dire. Il est vraiment con. Mais ça, pour être con, il peut pas être con qu'il ne l'est déjà. Ça, c'est clair, mais bon. C'est pas grave. Non. En tout cas, ça me fait plaisir de voir. Même si, bon, j'aurais préféré te voir dans d'autres conditions. Ouais, moi aussi, mais bon. C'est le destin. Faut croire que c'est le destin. Peut-être que Hélène et ça va pardonner à Peter. Ça m'étonnerait, elle reste sur ses gardes. Elle est triste pour lui, elle a peur pour lui, mais. Elle reste sur ses gardes. Ouais. Je comprends. Et alors, toi, ça se passe bien la colocation avec ton ex? C'est mon ex. Et avec ta meuf. T'as trois meufs à tes pieds. Oh, ça va, Hélène, elle est pas souvent là. Hein. Ouais, elle vient chez nous, mais elle dort chez toi. Elle vient que quand Peter est pas là. J'avais remarqué. Donc tu veux pas qu'on aille les voir? Non, arrête, arrête, écoute, non. Ça servira, là. Ouais, t'as raison. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. J'ai très envie de t'embrasser encore plus. De te serrer contre moi. Ah oui? Et bien plus encore. Ah ouais. Tu crois ça, toi? Je crois tout ce que je veux. Et toi, c'est sûr que je te crois. Je t'aime, tu sais.
Je sais. Moi aussi, je t'aime. Je crois que je suis amoureuse. Attends, qu'il s'agit là. Je suis amoureuse. Attends, tu peux répéter. Je suis amoureuse de moi, de toi. De moi, de toi. Attends, dis-le une dernière fois. De toi, duo. Alors, voilà. D'accord, ok. Bon. Eh ben, c'est bon, c'est amoureuse. Viens là, alors. T'es fou, mais arrête, t'es un malade mental, toi. Mais attends, mais elle est complètement tarée, cette nana, elle est complètement folle. Mais je sais, mais oui, mais je peux pas lui en vouloir, c'est normal. Mais bon, c'était pas une raison pour m'insulter comme ça. Mais attends, mais moi je te jure que je n'en veux pas, que je m'en fous de l'argent de Peter, je n'en veux même pas de son argent. Mais je sais, Hélène, je te connais quand même, on te connaît enfin. Ouais, on te connaît justement, pardon, je plaisante, c'est pas le moment, désolé, Hélène. Très bien, t'es vraiment trop con. T'arrives à me faire sourire, t'es génial. Yes. En jeu réussi. Ah, je t'aime. Tu quoi? Tu m'aimes? Mais je t'aime beaucoup, Alina. T'es un ami adorable. Oh, oh c'est mignon. Mais bon, bah ça va, tu vas pas nous faire ta crise d'amour là, ta crise d'ado d'amoureux là. J'ai rien fait. À peine. À peine rien fait. Ouais. Ben c'est bien ça le problème, t'as à peine rien fait. Ouais, t'as raison, j'ai rien fait. Eh oui, ah là là. Bon, bah écoutez, en tout cas, elle est complètement folle, cette nana. Je sais pas comment tu fais pour la supporter, Hélène, et pour être sympa avec elle. Je sais pas, mais écoute, bon. C'est normal qu'elle m'insulte. Son frère est à l'hosto, il est dans le coma, dans un état grave. Appelle Jules pour en savoir plus. Jules? Ben ouais, Jules. Enfin, tu vois qui c'est, Jules? Mais oui, je vois très bien qui c'est, oui. J'ai pas son numéro. Moi non plus. Attends, Rudy, il l'a. Rudy, il l'a. Oh, Rudy! Putain, mais on le voit plus, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, non plus. Eh ben écoute, ouais, c'est normal. Il est pas en France en ce moment. Comment tu sais ça, toi? Parce que je le vois de temps en temps. Eh oui, d'accord. Il a l'oreille. Oh, Love Island, eh oui. Enfin, je dis, Fanny, elle le connaît. Ouais, Fanny, elle le connaît, je sais. Mais Fanny, je sais pas si elle a son numéro. Puis non, non, je vais pas déranger Fanny et Christian. Il file le parfait amour. Ah, ça, c'est ce que tu crois. Amour, ah bon, pourquoi? T'es pas au courant? Non, quoi? Fanny est partie? Quoi? Fanny est aux États-Unis avec son producteur, Eric Fava. Ah bon? Eh oui? Christian, il est célibataire maintenant. Ah, bon. Eh ouais. Parce que tu savais pas du tout. Ah, ok, bah d'accord. Bon, bah. C'est pas grave. Je suis choqué. Je le savais, José me l'a dit. Et puis Nicolas doit le savoir aussi. Ouais. Oh merde, Nicolas, faudrait peut-être que je vienne, moi, chez Nicolas. Je vais rentrer et dormir parce que. Mais écoute, Peter est plus là. Mais non, mais non, mais non. C'était. Non. Non, je vais pas vous déranger plus longtemps. Tu ne me déranges pas. Écoute. Ouais, j'écoute, mais enfin, Peter est dans la table à l'hôpital. Sa sœur me déteste. Je vais rentrer chez Nicolas, j'ai plus qu'à faire mes valises et partir. Loin, loin. Ça va pas ou quoi? Tu vas pas partir, d'accord? Tu vas rester là. Tu vas appeler Jules. Jules, j'ai son numéro, tu vas l'appeler, d'accord? Je vais même l'appeler pour toi. Ah, allô?
Allô, Jules? C'est Adrien, ça va? Ça va, dis-moi, je t'appelle pour. Parce que j'ai appris que Peter était à l'hôpital dans un état grave. Tu pourrais m'en dire plus? Elle est dans un coma artificiel. D'accord. Et c'est tout? Oh, d'accord. Ok. Donc si je comprends bien, il peut mourir, quoi. D'accord. Oui. Elle est vers moi. Et? Ben oui, elle est vers moi et ben, elle est très inquiète aussi. Ouais, ben d'accord, on va passer le voir alors. On passera. Merci, Jules. Salut. Salut. Voilà, t'as entendu. Il est dans un coma artificiel. Ça veut dire qu'il peut mourir à tout moment? Bah ouais. Putain. C'était bon? C'était très bon. Ok, suis-moi. Où ça? Suis-moi, je te dis. Bon, tu viens, oui, ou merde. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser? Alors, papa, quoi? Ça te fait quoi que maman s'est trouvé un nouveau chéri? Bah rien, écoute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Papa, je te connais, on te connaît quand même. Mais écoute, elle s'est trouvé un nouveau chéri, elle s'est trouvé un nouveau chéri, merde! Et vous, ça vous fait quoi? Eh mais dis-moi, nous, on n'a pas vu une grille aujourd'hui. Et non, j'ai même pu passer la nuit chez toi sans qu'elle soit là, dis donc. Incroyable! Eh oui. Bon, Alex, il faut que je te parle. Passe. Écoute Cindy, j'aime ma femme. Donc toi et moi c'est fini, d'accord? Tu me quittes? Tu vas crever! Arrête, fais pas ça, s'il te plaît. Je vais me gêner, tiens. Et je parte!